bienvenue sur IamGaming.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit hack pour Criminal Case permettant de vous trouver vos objets en quelques clics, surtout sans bouger la souris. Très efficace. Alors pour cela, il va falloir se procurer le petit trainer avec le lien qui se trouve ici ou dans la description YouTube. Donc vous prenez le lien, hein, vous copiez le lien, hop, vous atterrissez ici sur ce site. Vous faites trainer hack CCV107 64 bits, ça dépendra, il est mis à jour assez souvent, donc ça sera peut-être plus 107 mais peut-être 110 ou etc. Vous prenez la 64 bits ou la 32 bits, ça dépendra à votre pros, hein, et votre Windows aussi. Donc pour moi ça sera la 64 bits. Vous ouvrez, vous attendez que ça charge, vous faites getlink r, hop, vous faites getlink, vous faites mediafire, hop, ça part là-dessus. Et vous faites télécharger. Hop, vous téléchargez, vous le mettez sur votre bureau. Vous fermez toutes les pages. Voilà. Normalement, ça vous donne un fichier rare. Vous décompressez. Moi, il me dit que je l'ai déjà, donc voilà, je ne le décompresse pas. Et normalement, ça vous donne un fichier CC Trainer V7. Enfin, ça dépendra de la version que vous êtes. Donc, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Il n'y a pas de virus. Hein. Attendez, on va déjà le scanner. Il n'y a pas de virus, aucune menace détectée. Vous le lancez, vous l'exécutez en administrateur. Voilà, voilà le trainer. Alors, pour le mettre à jour, il faut juste faire net update et ça va vous atterrir sur le site. Vous pourrez reprendre la nouvelle version dès que ça fonctionnera plus. Donc, ce hack est compatible pour Flash Player, soit pour Firefox, pour Chrome, Opera, Dragon, je ne sais pas ce que c'est, Maxton. Et plugin container, c'est pour Chrome aussi encore ça. Donc, hop, ça on fait. Donc vous allez vous mettre sur votre page. Hop, voilà, sur la page de Criminal Case. Vous choisissez une enquête. Vous mettez votre petit sheet sur le côté. Et là, vous si vous êtes sur Firefox, vous sélectionnez Flash Player Plugin. Vous faites Inject. Là, Injected. Et là, vous faites Enable. Alors là, il y a Indel Object Set. C'est pour trouver tous les objets sans les chercher. En fait, vous cliquez au même endroit, vous allez avoir tous les objets d'un coup. Et Time Attack Set, Puzzle Set. Le Puzzle Set, je le recommande pas vraiment parce qu'il bug assez. À la fin, vous pouvez carrément vous retrouver avec des cases en moins. Donc, vous êtes bloqué. Et Spot the Difference, c'est pour pouvoir trouver aussi les objets sans bouger la souris. Donc, vous faites Enable All. Voilà, vous attendez. Edge Enable, voilà. Vous faites OK. Voilà, vous choisissez une mission que vous voulez faire. Hop, comme ceci. Voilà, vous faites Jouer. Ça charge. Vous jouez pas en plein écran, ça sert à rien. Et vous cliquez n'importe où. Et voilà, regardez, ça charge directement, sans, j'ai pas eu besoin de chercher les objets sur la map, ça a pris tout d'un coup. C'est très rapide, ça vous permet de faire vos étoiles assez rapidement, sans passer par, il faut trouver tous les objets, etc. Là, vous avez juste à cliquer n'importe où sur la map, et vous spammez le bouton de la souris gauche. Et ça vous trouve tous les objets. Voilà, je vais me mettre en haut. Et hop, je clique. Et voilà, ça trouve tout. Voilà, incroyable. Il a fait un temps de 1. Voilà. Et hop, j'ai tout trouvé direct. Ce qui veut dire que quand vous êtes à la dernière étoile et que vous avez tout activé, je peux vous dire que vous allez faire des scores de 1 million, 1 million 5. Très facilement. Donc, voilà. Donc c'était le petit cheat trouvé sur internet, donc que je fais partager, donc qui fonctionne très bien. Vous avez toujours le cheat de SkuzHack, que je remettrai le lien dans la description ou directement sur la vidéo YouTube, qui permet de freestyle le temps, permettant d'arrêter le temps directement, comme ça vous permet de trouver vos objets sans que le temps défile. C'est aussi un autre hack qui fonctionne très bien. En fait, vous cumulez les deux en même temps et vous êtes imbattable sur ce jeu-là.
Donc voilà, c'était sur IM Gaming. N'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et puis lâchez des gros pouces bleus, ça me fera super plaisir. C'était sur IM Gaming. Bonne journée. Au revoir. Ciao ciao.